oui, non mais j'arrive là, c'est bon, je suis dans le métro, j'arrive dans 2 minutes. Hop. Oui, je me suis cognée contre un petit chien. Non, c'est bon, le petit chien, il va très bien. À toutes. Il est balèze, hein, ton petit chien. Tu m'expliques, qu'est-ce qu'il fout là, ces cartons? Bah, j'en sais rien, moi, tous ceux qui restent, c'est les tiens, hein. Oui, bah, toi qui es dans ton pyjama kangourou toute la journée, tu pouvais pas t'en occuper. Kigurumi. Ouais, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que sinon, je vais dans une réserve en Australie et je vais rejoindre les miens. Tu vois une poche, là, ici? Tu vois une poche? Non, y'en a pas. Ah, au fait, j'ai racheté déjà des nouveaux meubles, tu penseras à me rembourser? Ah, bah, c'est que j'ai pas forcément, l'argent pour ça, là, en ce moment. Oh, t'inquiète, tu fais ça quand tu peux. En plus, il a l'air super cher, là, ton canapé. T'aurais pu m'attendre avant de le prendre. Bah, non, il était pas si cher, je l'ai pris d'occasion. Bon, après, si t'as prévu de refoutre le feu à l'appart, tu m'aurais prévenu, j'aurais pris des palettes. Ça peut aller plus vite. Hé, c'était pas ma faute, d'accord? On t'attend, non? Merde. Hop! Aïe! How to be your own best friend. Et sinon, ça va en ce moment? T'écris bien? Enfin, t'écris beaucoup? Ouais, ça va. Et toi, le boulot? Bah, la routine, hein. Les tournées, les bandages, les piqûres. Enfin, normal, quoi. T'as besoin de quelque chose d'ailleurs? Doliprane ou... Non, non, j'ai besoin de rien. T'as besoin de sous? Non, j'ai pas besoin de sous non plus, non, c'est bon. Non, je te dis, j'ai pas besoin d'argent, t'inquiète. Je peux en ce moment profiter de ça. Mais je te dis que j'en ai pas besoin, c'est bon, ça va. Et ton bouquin, il se vend bien? Pas des masses, non. Ah non, mince. Et du coup, tu bosses sur quoi? Sur une série. Ah, c'est super, ça. Ouais. C'est pour quelle chaîne? Je sais pas encore, en fait. C'est que j'ai pas encore fini de l'écrire. Bon, ben, tu me feras lire, en tout cas. Oui. T'as lu mon bouquin, au moins? Eh ben, ouais. Enfin, en tout cas, je l'ai commencé. Il faut juste que je m'y remette, quoi. Ah, j'ai oublié de te dire, il y a la fille de Charles qui nous rejoint tout à l'heure. Enfin, bientôt. Quand ça? Bonjour. Ah bah voilà. Ah. Tu te souviens de Lise? Oui, bien sûr. T'as grandi. Ouais. Bah toi, t'as pas changé. Bon, en même temps, tu sais, ça m'aurait un peu fait chier de me retaper une puberté. Je vais aller me chercher un truc à boire, je reviens. Et du coup, l'incendie? Comment ça, l'incendie? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai vu sur Insta, ton appartement, il a brûlé. Ça va, c'est... Ton appart a brûlé? Ouais, ça... Tout va bien. C'est bon, c'est réglé. J'ai déménagé. Attends. Comment ça, tout va bien? Tout le monde va bien? Oui, tout le monde va bien. Ta coloc... Quoi, ma coloc? Ta coloc, tu vis toujours avec. Enfin, d'ailleurs, ce serait bien que la rencontre. Mais ça va, elle aussi? Oui, ça va. Mais tu peux pas la rencontrer, mais ça va. Et pourquoi tu peux pas la rencontrer? Parce qu'elle est en voyage. Ok, où? En Australie. Trop bien! Ah ouais, c'est super, l'Australie. Et qu'est-ce qu'elle fait en Australie? Ça va être génial! Elle est en échange avec son école ou je sais pas quoi. Puis ouais, ça aurait été compliqué qu'elle revienne et tout ça, donc on a fait ça de loin. Et de toute façon, la plupart de ses affaires étaient chez ses parents. En vrai, ça va. Je veux dire, elle est en Australie, donc c'est que ça doit bien aller pour elle. Mais attends, mais et comment vous faites? Comment on fait quoi? Bah, je sais pas, pour le nouveau bail, les meubles, pour... Bah, ses parents m'envoient de l'argent à distance et voilà, on gère ça comme ça. T'as d'autres questions ou... C'est bon? Ouais, donc t'as besoin d'argent? Non, je te dis que j'ai pas besoin d'argent, en fait. Maman, j'ai pas besoin d'argent, d'accord? Tiens. Merci, c'est gentil. Ce serait bien qu'on se fasse un voyage, un de ces quatre, non? Bah ouais. Tu viendrais, toi? Bah, c'est que je bosse, en fait. Bah, tu peux écrire de partout, ah hein. Oui, Sophia m'a dit que t'écrivais un livre. Ouais, ma fille, elle est auteure. Autrice, on dit autrice.
Oui, ça existe, ça. Oui, c'est le féminin d'auteur. Oh, t'as raison, c'est mieux. Et toi, tu fais quoi en ce moment? Moi, je suis en fac de médecine. Cool. Elle a des super notes, mais c'est dingue, hein? Ça va. En vrai, je me débrouille. Non, bah attends, c'est plus que ça, mais enfin bon. Et d'ailleurs, faudrait que je pense à parler de toi au chef de service cardio, là, du CHE. Ça, tu le rencontres et puis tu... Ouais. Les cardio, c'est difficile à y rentrer, hein? Je ne fais aucun souci pour toi, chérie. Aucun. Ce qui compte le plus pour moi, c'est la pression que vont me foutre mes parents. Tu vois, la seule concurrence que j'ai vis-à-vis d'eux, c'est avec le fils des voisins. Moi, je sais, je pourrais remplir tous les élus, Olympia, Stade de France, tout ce que je veux. Ma daronne, elle serait contente. Mais pas autant que si je répare la wifi. Pour eux, je suis un fou, dis, je suis un sorcier, je suis un saltimbanque. Si tu pouvais à nouveau avoir 18 ans et faire les choses autrement, tu le ferais ? Réparateur de boxe, ce bâtard. Non.